Donc, rebonjour à toutes et à tous, nous revoilà à Fenay pour suivre les quarts de finale du national mixte. Donc, on va vous proposer un quart de finale qui va opposer l'équipe de Jonathan Chevalier pardon, et de Mallory Perrin de la Saône-et-Loire non homogène à l'équipe de Laura Bolo et Alexandre Ferretti non homogène aussi. Alors, pour vous donner des informations, les autres quarts de finale, nous avons Nadège Rodriguez et Clément Duvernet qui joueront contre Kelly Fuchès et Arnaud Drocourt. Nous avons Jennifer et Ella Atra, Randria Manantani qui sont opposés à Véronique Demuth et David Defosse. Et nous avons la partie de Gilles Poifol et Maria Rigo contre Lionel Ribérol. Et désolé, mais je n'ai pas le nom de la collègue à Lionel. Donc là, première main qui s'engage pas très bien pour l'équipe de Ferretti, puisque l'équipe à Jonathan Chevalier ont encore 5 boules en main, le point par terre. Donc après, ils ont bien serré, mais ça peut être compliqué quand même. Bonjour. Vous n'êtes arrivé. On décide de tirer pour Mallory. Et donc c'est un premier carreau de la part de Mallory qu'on a déjà subi ce matin en 8e de finale contre la famille Frachebois. Donc on décide de retirer devant, même si je pense qu'ils ont 2 points, c'est pour faire de la place. C'est de nouveau tapé, Mallory qui commence son quart de finale comme elle a commencé le 8e. Une petite faiblesse en fin de partie en 8e. Donc là on a 2 points par terre pour l'équipe de Jonathan Chevalier et Mallory Perrin. Et encore 3 boules en main. Ah, c'est court de la part de John. Alors je vais essayer de vous tenir au courant des scores des autres parties. Alors que sur le terrain d'à côté, vous pouvez suivre aussi Clément Melnikov, ancien vainqueur du national mixte de Dijon contre Palella, qui mène 6-3 en quart de finale du B. Nous avons aussi Sébastien Laurin et Lisa Colino, les poulies d'or des nationaux, hein, parce qu'ils ont quand même perdu 2 fois en finale à Dijon et 3 fois à Vénaret. Donc ils jouent un petit peu plus loin là-bas. J'aperçois encore une équipe dedans Paris, Irène Barcelo et Alan Guyot. Donc ça doit être ajouté de la part de Mallory Perrin. Je vais attendre que John mette le score, mais je pense qu'il y en a 3 par terre. Ouais, c'est ça. Donc 3-0 pour l'équipe de Chevalier Perrin. Le bouchon de la deuxième main est aux environs de 8 mètres. Donc on est content, le soleil commence à faire son apparition. Donc John qui est un petit peu passé derrière, 60aine de centimètres derrière. Et donc c'est Alex Ferretti qui se présente au point. C'est gagné de la part d'Alex. Beau point, 50 devant. On décide de tirer pour Mallory. C'est manqué de la part de Mallory Perrin.
Alors, vous inquiétez pas si ça bouge un peu, on fait des essais de caméra parce que du coup, nous sommes pas trop positionnés en face de la partie qu'on voulait vous proposer. Donc John qui a décidé de pointer, qui est resté au cul de la boule d'Alex. Donc je vais essayer de vous tenir au courant des résultats des autres parties. Donc Mallory a tiré et malheureusement pour elle, elle a chiqué sa boule devant. Alors je crois qu'on retire, c'est peut-être un petit peu dangereux quand même, deux boules à 5. Ouais, elle a tiré, très beau recul de Mallory. Donc 5 boules à 1 en faveur de l'équipe de Ferretti et Laura Bolo. Le score des autres parties s'il te plaît. Après la même tu regardes. Donc, Alex au point. Ah, c'est très bien joué de la part d'Alex. Qui va faire tomber la dernière à John et je pense qu'il est obligé de pointer parce qu'il s'est mis dans le bouchon. Moi je pense qu'il décide de tirer quand même. Voilà. Donc c'est un très beau carreau de la part de John, mais le bouchon a démarré. Ça ne change pas grand chose, hein. Il y a encore un peu de place pour rentrer. Alex et Laura ont encore 4 boules en main, les adversaires en ont plus. Commence à avoir un petit peu de monde qui arrive à Fenay là. C'est bien, ça fait plaisir, le temps est là. Alex qui vient de pointer, je pense qu'il a dû rentrer. Alors que dans le quart du B qui se joue en face de nous, l'équipe de Clément Melnikov mène 6 à 4 face à Palella. Donc Laura s'est bien pointé, ça doit rentrer, il doit y avoir 2 par terre et encore 2 boules en main. Donc le bouchon a démarré il y a à peu près 11 mètres, 11 mètres 50. C'est peut-être rentré mais je pense qu'elle a eu un petit coup de réussite parce qu'elle est tombée juste derrière la boule de John. Alors qu'à côté, on aperçoit Clément Duvernay qui enchaîne les carreaux comme des perles. En très grande forme. Je vais demander confirmation du score. Laura. Donc 4 points pour l'équipe de Laura Bolo et Alexandre Ferretti qui prennent la tête de la partie 4 à 3. Nous allons attaquer la troisième main. Le bouchon à peu près à 8 mètres. C'est un petit peu court d'Alex. Ça reste une belle boule quand même. Elle a 50 devant, mais c'est un petit poil court. C'est repris de la part de John qui envoie directement Laura au tir. Tandis que sur le quart de finale, à côté,
L'équipe d'Arnaud Drocourt et Kelly Fuchs mène 2-1 face à Nadège Rodriguez et Clément Duvernay. C'est manqué de la part de Laura Bolo. Alors que tandis que dans le troisième quart de finale, Jennifer et Laatra, Randria Manantani mènent 2-1 face à Véronique Demuth et David Defosse. C'est pas mal joué de la part d'Alexandre, mais c'est encore un peu court. On décide de contre-attaquer, de retirer quand même. 3 boules à 5, je vous rappelle. C'est manqué de la part de Laura Bolo. Bien pointé encore de la part d'Alex, je suis pas sûr qu'il ait gagné le point, mais en tout cas, sa boule est pas perdue. Apparemment, elle a gagné, puisque je vois que Mallory se dirige au pas de tir. Ce matin, le conseil départemental sera de 12h30 à 13h. C'est tapé de la part de Mallory Perrin. Donc Laura qui va jouer sa dernière et encore 4 boules en main pour l'équipe de Mallory Perrin et John Chevalier. Alors gauchère, elle a un peu plus de place que droitier, mais et je vous rappelle les terrains ne sont vraiment pas évidents. C'est rentré de la part de Laura qui n'a pas gagné le point mais qui a mis un beau témoin. Donc c'est ça, elle n'a pas gagné. Donc du coup, John va pointer. On va essayer d'aider un petit peu de la boule de devant d'Alex Peretti, mais je pense que ça doit rentrer. Cela doit être resté un peu courte, mais je pense qu'il a donné le tir à 3 à Mallory. Ouais. C'est manqué. La part de Mallory qui retourne, elle tire toujours à 3. Je vous rappelle, 2 points par terre, 3 à 4 au score. C'est tapé de la part de Mallory Perrin. Ce qui donne 6 à 4 en faveur de Mallory Perrin et John Chevalier face à Laura Bolo et Alexandre Ferretti. Donc nous assistons quand même à de belles parties. Hein. C'est encore très bien joué de la part d'Alex. Hein. C'est vraiment un très très bel appoint, Alexandre. Donc, on décide d'aller tirer pour Mallory. C'est manqué de la part de Mallory Perrin. Alors, je vais essayer de vous informer des scores des trois autres quarts de finale.
Alors avec mon ami Patrick Chambaud, s'il peut se déplacer pour me donner les scores des trois autres quarts de finale. En attendant, John Chevalier qui vient de faire une très très belle reprise, hein, je vous dis 9m50, il vient de faire une très très belle reprise en devant de Maud quasiment. Après mon ami Arnaud Drocourt enchaîne les carreaux sur la partie d'à côté. Alors la Atra, Randria Manantani et sa femme Jennifer mènent désormais 4 à 1 face à Véronique Demuth et David Defosse. Alors, on a joué l'enfoncement de boule de la part d'Alexandre Ferretti, c'est vraiment très très bien joué, pile poil en face, il a tout fait. Vraiment bien joué. Alors, petite rectification, mon ami Patrick Chambreau s'est trompé. Donc, Latra et Jennifer Randria Manantani sont menés 3 à 2 face à Véronique Demuth et David Defosse. Et puis la première, il y a Gilles Poifol là-bas aussi. Alors que Mallory Perrin s'élance au tir. Tombé sur le bouchon, mais je pense que le bouchon est revenu un peu en arrière. Je pense que l'équipe d'Alexandre Ferretti doit garder le point. Alors que sur le quart de finale à côté, l'équipe de Kelly Fuchès et Arnaud Drocourt mène 4 à 1 face à Nadège Rodriguez et Clément Duvernay. Et je vais vous donner le score de la dernière partie. Maria Rigo, Gilles Poifol face à Lionel Ribérol. Ah, et John qui est un peu vite et qui a démarqué un peu la sienne qui était plutôt jolie derrière. Et l'équipe de Gilles Poifol et Maria Rigo qui mène 4 à 0 face à Lionel Ribérol. Tandis que John a très bien joué sa dernière, il l'a gagné devant le bouchon. Mais une belle main se prépare pour l'équipe d'Alexandre Ferretti et Laura Bolo, qui ont 4 boules en main pour une à Mallory Perrin. Alors je ne sais pas ce que Alex veut faire, est-ce qu'il va retenter un enfoncement ou est-ce que c'est lui qui va aller tirer la sienne pour laisser 3 boules à Laura. Depuis hier, il me dit que c'est ce qu'il fait, s'il n'a plus qu'une boule à tirer, il va la tirer avant et comme ça il laisse ses 3 boules à Laura Bolo. Donc on va voir. Je pense qu'il va tirer. Hein. Non, je pense qu'il retente un peu l'enfoncement de boule. Bah, il est fait. Un petit carreau chinois. Petit carreau chinois de la part d'Alexandre Ferretti, dit la grosse tête pour les intimes. C'est fait. C'est vraiment bien joué. C'est la dernière boule pour Mallory Perrin et encore 3 boules dans les mains de Laura Bolo. Donc c'est pointé, elle a traversé le jeu. Donc 3 boules en main pour Laura pour essayer de rajouter un peu de place, il y a 40-45 cm. Tandis qu'à côté, l'équipe de Clément Duvernay rajoute un point supplémentaire à son score avec Nadège Rodriguez. Kelly Fuchès, Arnaud Drocourt mène toujours 4 à 2. Alexandre Ferretti qui a fait un gros jeu sur la main. Beau point d'entrée, il a fait 2 enfoncements de boule. Je pense que Laura a rajouté son premier point, même si elle a dégueulé un petit peu sur la gauche, je pense que ça suffit. Ils vont creuser un petit peu l'écart s'il n'y a pas de malheur avant la fin de la main. Ouais, ça rentre tout seul, c'est vraiment très bien joué de la part de Laura. Une décision qui a bien fonctionné pour Alexandre, deux enfoncements de boule. Ce qui peut leur permettre de creuser l'écart.
celle-là sera un peu courte. Donc 4 points pour l'équipe de Laura Bolo et Alexandre Ferretti qui mènent désormais 9 à 6 face à Mallory Perrin et John Chevalier. Tandis qu'à côté, dans le quart de finale du concours B, Clément Melnikov mène 8 à 6 face à Palella. Ah, alors on n'est pas sûr, John n'est pas sûr du quatrième, il va mesurer. Alors c'est pas 4 mais 5 points pour l'équipe d'Alexandre Ferretti, Laura Bolo, qui mène désormais 10 à 6. Il y a Clément Melnikov dans le concours B qui enchaîne les carreaux comme des perles. Donc bah, très belle mène d'Alexandre et de Laura qui prennent un peu le large, 10 à 6 dans cette partie de quart de finale du National Doublette Mix de Dijon concours A. Nous avons la présence de monsieur le maire de Fenay. Voilà, monsieur le maire de Fenay qui est venu rendre visite au site. Hein. D'ailleurs, un grand merci à lui et à toute la commune de Fenay pour nous avoir prêté le site pour pouvoir réaliser ce beau national de pétanque hein, qui a été complet longtemps à l'avance. On a même été obligé de refuser des équipes. Donc revenons un peu au jeu, donc là le bouchon est à peu près à 9 mètres et Alex qui s'est un peu égaré, un bon 1m20 sur le côté devant. Donc on essaye de faire aussi des réglages de caméra en même temps. Voilà, donc c'est John qui se présente au point. C'est monté très haut pour John, c'est très très bien pointé, hein. Point 15 cm derrière le bouchon. Et à côté, Clément Duvernay qui continue d'enrouler les carreaux. C'est un site en fait, on a un site, tiens, c'est lui le patron, on a un site sur Facebook et après tu t'abonnes et puis tu peux voir toutes les parties en direct. Je te vois après Laurent, parce qu'on finit, je finis ça. Donc là, on a Alexandre qui vient de pointer, qui s'est égaré un petit peu, mais bon, beau témoin, 30 sur le côté, je pense que c'est pas déjoué d'en tirer une quand même. Hein. C'est loin, mais le point à John est très beau. Donc c'est bien ça. Et Laura Bolo qui se présente, s'il pas de tir. Bah, c'est un petit carreau pour Laura. Alors ce qu'on disait tout à l'heure avec Patrick, on voit que les femmes prennent le dessus sur les hommes au niveau du tir. Hein. Après là, on a une partie en mixte avec deux filles qui tirent très bien et bah, deux garçons qui pointent très bien aussi. Alors que là, on a la qualification pour les demi-finales du concours B de l'équipe de Dans Paris, cher à son président Michael Fèvre. Donc Irène Barcelo et Alain Guyot viennent de se qualifier pour les demi-finales du National B de Dijon. Alors en attendant, John a très très bien pointé sa boule parce qu'il a encore gagné le point dans le bouchon, ce qui va obliger Laura Bolo à aller sur le pas de tir. Tandis qu'à côté, dans le deuxième quart du B que je peux vous présenter, et bien l'équipe de Palella recolle au score 8 partout face à Melnikov. Et là, on a un magnifique carreau de Laura Bolo. Rien à dire, Laura qui a été un tout petit peu en dessous en début de partie au tir, mais qui a fait une très belle mène de rajout au point à la main avant. Et qui là vient de faire deux carreaux à 10 mètres. Et qui met son équipe en de très bonnes mains. Hein, parce que même s'ils sont des avantages de deux boules, ils ont une boule chacun, Alexandre et Laura. Et quatre boules encore pour l'équipe de John et Mallory. Mais quatre points par terre pour l'équipe de Ferretti. Donc on a Mallory Perrin qui a été tiré
qui a manqué la boule, qu'elle tirait vers le bouchon, mais qui a fait carreau sur le premier carreau de Laura, justement. Donc toujours 2 points par terre pour l'équipe de Ferretti et 2 boules à 3. Alors que je vais essayer de vous donner un peu les scores des autres parties. C'est un petit peu court pour John, je pense qu'il a peut-être coupé le deuxième et encore j'en suis pas sûr. Avec la distance, c'est pas évident à deviner. Donc bah, Laura avec ses 2 carreaux qui a rétabli la main, hein, parce qu'on est 2 boules à 2 maintenant et toujours 1 voire 2 points par terre pour l'équipe Ferretti. C'est parti pour Mallory, hein, qui a un peu traversé le jeu, qui va jouer sa dernière. Alors c'est peut-être une mène de gagne, hein, pour l'équipe Ferretti-Bolo. Tandis que là, on vient d'apercevoir un très beau carreau de Palella. Donc Mallory Perrin qui va jouer sa dernière. Alors elle est rentrée avec la boule à John devant, donc déjà c'est sûr et certain qu'elle est coupée le deuxième. Alors c'est une mène de gagne mais qui va vraiment pas être évidente, hein. Ils ont le point par terre, 2 boules en main, il y a très peu de place pour rentrer. Après Laura Gauchère peut rentrer, et vu Alexandre le niveau de points qu'il fait depuis tout à l'heure, c'est une gagne qui est jouable. Ou alors faut essayer de tirer un coup dans les deux de devant. Je pense que s'ils prennent la solution d'être sage, je pense qu'ils vont pointer. Même s'ils en font qu'un, ça fait 11 ou 12 à 6, il y a un peu de place. Il peut même en plus se permettre de traîner un petit peu le bouchon, de faire rentrer son point derrière. Ouais, c'est ça, décision sage d'Alexandre. Donc c'est ça, on a décidé de pointer pour Alexandre. Ah. Je pense pas que ça soit rentré, il a joué un peu en bas du jeu je pense. Alors il y a 2 solutions, si on garde le point on essaie d'en mettre un deuxième et de monter à 12. Ou alors on aura encore la possibilité de tirer la toute première blanche devant. Et si elle a le bonheur de casser les deux, elle a gagné. Elle reste sur 2 beaux carreaux donc elle va peut-être y retourner. Mais je pense qu'elle y va. C'est manqué de la part de Laura Bolo qui n'est pas droite. Qui n'est pas droite, donc je vais demander le score. Mais je pense qu'il y a 1 point par terre. L'équipe Laura Bolo, Alexandre Ferretti mène désormais 11 à 6 face à Mallory Perrin et John Chevalier. Alors, tandis que sur les terrains d'à côté. Alors, petite coupure de 2 minutes puisque nous avons John Chevalier qui est parti aux toilettes. Petite coupure, je vais en profiter pour aller regarder les résultats des autres parties et vous tenir au courant des scores. Je reviens. Donc me revoilà, j'ai été regarder un peu les scores des autres parties. Donc dans l'autre quart de finale,
L'équipe de Clément Duvernay et Nadège Rodriguez mène 9 à 2 contre Kelly Fuchs et Arnaud Drocourt. L'équipe de David Defos et Véronique Demuth mène 7 à 2 contre Latra et Jennifer Randria-Manantani. Et dans le dernier quart de finale, c'est Maria Rigaud et Gilles Poifol qui mènent 8 à 0 contre l'équipe de Lionel Ribérol. Donc on est reparti dans le quart de finale qu'on vous propose. Donc pareil, ça joue toujours aussi loin. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'on a tourné dans l'équipe à Mallory Perrin et à John Chevalier. Donc je vous rappelle le score, 11 à 6 en faveur de Ferretti et Bolo. Un bouchon qui est aux alentours des 9,50 m et une boule d'Alexandre qui est un petit peu écartée à 1 mètre sur le côté. Donc oui, on a tourné effectivement. C'est Mallory qui a pris le point. Ça vient bien, c'est très bien pointé. Beau point à 20 du bouchon. Alors que dans le quart de finale du B, on voit le joueur de Saône-et-Loire-Palella qui empile les points. Ah. Bon, c'est pointé pour Alexandre Ferretti. Petit coup de réussite, il s'excuse hein, et il a traîné un peu le bouchon, sinon sa boule était perdue 50 derrière. Et il a traîné le bouchon et il a embouchonné. Donc on va voir John qui va tirer sa première boule de la partie. Alors c'est très bien tiré, hein. Beau petit recul de John. Mais Alexandre a fait un peu d'écart avec sa boule au point, là, ce qui fait que le point de Mallory qui était dur à gagner maintenant, il est à 50-60 devant. Donc il s'est laissé un petit peu de marge. Tandis qu'à côté, l'équipe vaut Palella. Alors, j'attends qu'ils mettent le score. Est-ce qu'ils en ont fait 2 ou 3? Donc 2 points pour l'équipe Palella qui mène 3 points, qui mène désormais 11 à 8 en quart de finale du B face à Clément Melnikov. Donc voilà, 4 boules à 4, 11 à 6 et je vous rappelle au score, et Alexandre Ferretti qui va jouer sa dernière. Donc là le bouchon a démarré un peu, il y a un peu plus de 10 mètres je pense. Alors je sais, ça a gagné mais c'est pas très beau, je pense pas que ça va faire tirer l'équipe de John. Je pense qu'en plus ils ont un beau jeu avec la boule de devant. Donc Mallory qui s'apprête à aller pointer. On assiste à du beau jeu quand même, malgré les terrains très sélectifs, on assiste à du beau jeu. Mallory qui vient d'embouchonner quasiment à 10,50 m. Alors je pense qu'on va tirer une fois quand même pour Laura. Après il faut faire attention, il faut surtout pas contrer parce que ça laisserait 3 points par terre pour les adversaires. Après le point est ingagnable, mais bon il y a 3 boules à 3 donc c'est pas des jeux d'en tirer une quand même. C'est manqué de la part de Laura, heureusement qu'elle a sauté parce que elle était plus droite à sa boule. Alors que là-bas, je vois que Véronique Demuth et David Defos sont encore inscrits des points. Donc je ne peux pas vous donner le score parce que je suis caché. Mon ami Patrick va s'en occuper. Là, je vois que Arnaud Drocourt et Kelly Fuchs sont en train de discuter. Ils viennent de marquer. Ils ont remarqué parce que c'est pas annoncé encore. Et tandis que là, on vient de voir Laura Bolo qui vient de rentrer la boule de devant de Mallory. Je vous avais dit qu'ils avaient une belle boule devant.
Donc la main se corse un peu, hein, une main pour revenir au score pour John et Mallory, parce qu'ils sont 6 à 11, mais 3 boules à 1 et 2 points par terre ingagnables. Donc c'est ça, décollage au score pour Kelly et Arnaud Drocourt qui viennent d'inscrire un nouveau point. Ils sont menés désormais 9 à 3 face à Nadège Rodriguez et Clément Duvernay. Et tandis que là, on voit que Laura Boulot est restée un peu courte sur sa boule au point. Ce qui laisse une main de remontada, comme on dit, hein, pour John et Mallory, parce qu'ils ont 2 points par terre, 3 boules en main. Et la plus prête des adversaires est à peu près 50-60 cm. Mais après, là-dessus, hein, vous savez, c'est jamais évident de rajouter non plus. Oh, alors ça, c'est perdu de la part de Mallory qui est pas très bien tombé, qui est parti complètement à l'équerre. Quelle horreur! Ouais. Très bien joué de la part de John qui vient de rajouter un troisième point. Finalement, ils ont bien fait de tourner parce que du coup, ça leur permet de, de recoller au score tout simplement. Hein. Alors que là, sur la partie d'à côté, on vient de voir un très beau point de David Defosse, un très beau carreau de la Hatra. Sauf que dans son malheur, la Hatra, le bouchon a suivi avec la boule et. La boule de David est à peu près à 40 cm devant le bouchon en fond de barre à 12 m 50 13 m, donc ça va pas être évident pour eux je pense. Et 4 points supplémentaires pour l'équipe de John Chevalier et Mallory Perrin. Et recolle au score 11 à 10 pour Alexandre Ferretti et Laura Boulot. Alors qu'à côté, Arnaud Drocourt et Kelly Fuchès de la pétanque de Mirbeau, je vous rappelle le score, sont menés 9 à 3 contre Nadège Rodriguez et Clément Duvernay. Et là, je vois qu'Arnaud joue sa quatrième. Donc, il vient de gagner le point, mais ils sont 2 boules à 5. Et à mon avis, il n'y a pas très très long. Connaissant la puissance de feu de Clément encore en ce moment, ça peut être compliqué. Ouais, c'est ça. Encore un petit carreau de la part de Clément. 2 points par terre, 4 boules à 2. Tandis que nous, dans notre partie, le bouchon est à peu près à 9 mètres et on est toujours 11 à 10 en faveur de Ferretti face à Chevalier. Et là, on vient de voir Clément Melnikov partir 3 fois au bouchon, manquer 3 fois. Ça sent le pâté contre Vaux et Palella de la Saône-et-Loire. Voilà, pointeuse à Clément qui va jouer sa dernière. Et encore 5 boules en main pour les adversaires. Tandis que là, nous avons un très bel appoint de Mallory Perrin qui s'est mis à 20 cm devant le bouchon, ce qui oblige Laura Boulot à aller au tir. C'est manqué de la part de Laura Boulot. Voilà, et donc c'est terminé sur le terrain d'à côté, la victoire de Vaux et Palella, 13 à 8 face à Clément Melnikov, ancien vainqueur du National Mix de Dijon, et de sa collègue Marie-Dominique Anderlin. Voilà, tandis qu'à côté, très beau devant de boule d'Arnaud Drocourt qui vient peut-être de sauver la main, même s'il reste une boule à 4. Et peut-être espérer en faire jouer 2 à ses adversaires, tandis que sur notre partie, Laura Boulot retourne au bas de tir. Laura Boulot qui fait une belle saison, hein, finaliste du National à Trévoux. Elle est encore dans le coup ce week-end. Nouvelle licenciée de Bourbon-Lancy. Et donc la partie d'à côté, on a Clément Duvernay qui vient de taper la sienne toute seule, qui est en devant de boule, mais bon, il a encore la belle main, Clément. Ouais.
Voilà, donc c'est chiclé de la part de Laura, ça laisse un petit peu de place à Alexandre. Alors est-ce qu'Alexandre va décider de laisser pointer la boule à Laura et de garder ses trois boules? Je pense que ce serait le vrai jeu. Tandis qu'à côté, on attend ce que Clément Duvernay ait encore su le pas de tir. Et c'est encore carreau pour Clément, qui doit avoir deux points par terre et qui laisse deux boules à Nadège Rodriguez contre une à Arnaud Drocourt. Maintenant, je vois Alex qui se dirige au point, donc je pense que c'est lui qui va pointer quand même. Moi, j'aurais presque fait pointer la boule de Laura avant et garder ses trois boules au cas où. Ouais, donc par contre, à côté, très belle main d'Arnaud Drocourt, hein, qui a sauvé les meubles. Hein. Il a fait deux bouchons devant de boule. Et bon, Nadège Rodriguez a quasiment carreau gagné. Voilà, et ça c'était à prévoir. Alex qui a très très bien pointé toute la partie, qui vient de mal tomber, je sens qu'il est un petit peu agacé. Tandis qu'à côté c'est manqué pour Nadège Rodriguez, ce qui permettra à l'équipe d'Arnaud Drocourt et de Kelly Fuchès d'être sûr de refaire une main, ce qu'ils perdront pas. Mais bon, Nadège qui tire encore à deux quand même. Et bien c'est manqué double par Nadège Rodriguez. Du coup, l'équipe de Mirbeau marque un point. Très belle main d'Arnaud. Hein. 9 à 4 pour Duvernay Rodriguez face à Fuchès et Drocourt. Est-ce que là, donc Alex qui joue sa deuxième. C'est bien joué de la part d'Alex, c'est gagné. Mais ils sont en difficulté sur la main 1, 2 boules à 5. Et un John que depuis qu'a pris le tir, a bien tiré la main d'avant, et même en 8ème ce matin, il a eu 2-3 à tirer, il a très bien tiré. Je pense que c'est là, il est terminant. Hein. Je pense que s'il cadre d'entrée, il se peut qu'on aille au bouchon du côté des bleus. Ouais, c'est tapé de la part de John qui, en plus de ça, a un peu amélioré son point. Ça change pas grand chose. Hein. Le bouchon a bougé de 10 cm. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au bouchon? Après, il y a la solution de bien pointer deux fois, le point est gagnable. S'ils viennent à le gagner deux fois, ça fait jouer les adversaires jusqu'au bout, plein. Ouais, je pense qu'on va pointer, on va être sage. Ouais, c'est ça. Et Alex qui retourne pointer. À mon avis, ça va être court. Hein. C'est bien joué, elle est pas perdue sa boule. Elle est un peu devant, elle est pas perdue, mais elle est un peu courte. Tandis qu'à côté, Kelly qui a pointé sa première, pas très très jolie, mais Nadège vient de perdre la boule aussi. Alors que je crois qu'il y a un autre quart de finale qui vient de se terminer là-bas dans le A. Alors si je vous dis pas de bêtises, je pense que la victoire est revenue à Maria Rigaud et Gilles Poiffol, l'équipe Côte d'Orienne. Alors je peux pas vous dire le score, mais tout à l'heure il y avait 8 à 0, donc je sais pas si l'équipe à Lionel Ribérol ont marqué ou pas. Donc voilà, donc qualifiés, les premiers qualifiés pour les demi-finales cet après-midi, Maria Rigaud, Gilles Poiffol. Et tandis que nous, on continue à suivre cette partie. Alors, et bien en plus de ça, ma pauvre Laura est mal tombée. Donc là, on a 4 boules en main pour l'équipe Chevalier Perrin pour en mettre 2. Tandis qu'Arnaud Drocourt à côté continue son petit festival aussi bien au point qu'au tir. Il vient de refaire un petit carreau. Ça fait plaisir de voir un joueur comme Arnaud Drocourt, très très gentil, revenir un peu à son meilleur niveau avec tous les soucis de santé avec son dos qu'il a eu et qu'il a encore d'ailleurs. Donc le voir, ça fait hyper plaisir. Donc Mallory vient de pointer sa première, je pense qu'elle a perdu. Il semble qu'elle a dû passer au moins sur la boule de devant. Encore 3 boules pour en mettre 2. Hein. Tandis que là-bas à côté, on assiste à une belle partie aussi entre la Hatra et Jennifer contre Véronique Demuth et David Defosse. Hein. David Defosse qui se régale au point dans ces terrains. Hein.
tandis que là c'est rajouté de la part de Mallory. Et donc c'est John Chevalier qui a 2 boules pour mettre le 13ème, tandis qu'à côté Arnaud 4 boules à 2 tir au point. Alors vous y voyez peut-être un peu à la caméra, et c'est de nouveau un carreau de la part d'Arnaud en pleine forme. Il est plus en forme que ses joueurs de foot préférés du Paris Saint-Germain. Pardon pour les supporters, mais voilà. Donc John qui joue la boule de gagne. Et donc c'est fait, c'est terminé. Et donc victoire, deuxième équipe qualifiée pour cet après-midi. John Chevalier de la Salle en Morvan, si mes souvenirs sont bons. Et Mallory Perrin de Bourbon-Lancy. Donc deuxième équipe qualifiée pour cet après-midi. Il reste encore 2 quarts de finale à jouer. Je vois que les 4 quarts de finale du B sont terminés. Tandis que là-bas, David Defos vient d'embouchonner pour la 3ème fois sur la main. La Atra a déjà fait 2 carreaux, va tirer sa 3ème. Donc nous les amis, on va vous laisser manger, bon, un petit apéro si vous voulez, et on vous retrouve à 14h cet après-midi pour suivre les demi-finales, et à 16h, 16h30 pour suivre la finale, et on essaiera aussi de commenter au maximum pour le B.